professeur autour des vestiaires juste à l'entame de la seconde période. Et bien forcément, ça leur donne des idées. Mais tu as donné la décision de la famille. Michel, il sera encore là-haut. Hein, il sera encore où. C'est moi qui ai fait les décisions. Bah oui, mais je suis rien pour lui. Zéro. Je suis comme beau-frère. Qu'est-ce qu'il a porté. Hein. Ah, mais je ne peux pas l'écrire. Alors, si tu veux être incinéré, c'est le moment de le dire. Oui, oui. Non, non, mais moi je t'enregistre là, donc oui, au moins ce sera enregistré. Je veux être incinéré. Mais de ton vivant ou une fois mort? Ah non, il faut que je sois mort d'abord, hein, bien mort. Ah bon, voilà. Ah, pas comme Jeanne d'Arc? Ah non, 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 je veux qu'on me morde les doigts du pied droit, l'orteil. Je veux qu'on mette les sangs dans le... Et dans la tombe de Jacqueline. Ah ben, mais ça, il n'y a pas de problème. Dans hein, la ça. Loire. Ça, c'est faisable. Voilà. Hein, Bibi? Et toi, Bibi, tu veux être incinéré comme Jeanne d'Arc? Moi, ma truie, on l'a incinéré. Elle remue la queue, Bibi. Oui, moi, il a un petit âge. J'ai un certificat de lui. Comme quoi, il a été incinéré, qu'il a été... Donc, tu veux être incinéré et que tes cendres aillent dans le caveau de Jacqueline. Non, non, mais c'est enregistré, ça. Que ça aille dans le caveau, que ça aille dans le caveau de Jacqueline, avec Michel et sa famille. Voilà. Parce qu'il y a eu tellement de difficultés, tu avais le travail. Hein, non, mais oh. Oh, moi aussi, je me fais incinérer. Et je veux que... Dans les refuges. T'as vu, là, la princesse, là, qui a été brûlée dans un château avec le personnel. Oui. Puis alors, ils ont cherché où était la princesse, ils étaient tous ensemble. Et pourquoi elle a été... C'est un incendie du château. Ah, oui, comme ça. Oh, mais il y a déjà quelques années de ça. Ah, oui. Et alors, c'est le docteur qui vient pour reconnaître les corps. Puis ils regardent tout, ils font... Bibi. Il y avait deux ou trois, là, qui étaient là. Il a plus rien à manger. Il n'a plus rien à manger. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le docteur, lui? Il a regardé, vous aviez regardé, et puis il a goûté les cendres. Il y a des cendres sucrées. Elle avait beaucoup de diabète, dit-elle. Ah oui.